émission estivale. What's up? What's up, y'all? Conan le Barbare pour le Geek Contre-Attaque qui vient vous parler d'un petit jeu de VR qui s'appelle Pixel Rift 1989. Qu'est-ce qui se passe dans Pixel Rift 1989? Oh, ow. Ouh, je me suis coupé la main pour faire attention. Qu'est-ce qui se passe dans Pixel Rift 1989? Ben, en fait, c'est l'histoire d'un vilain qui veut, d'un vieux jeu de pixels qui veut sortir de son univers. Donc, il corrompt du monde dans la réalité. Et là, nous, on doit combattre ce vilain-là à travers le corps d'une petite écolière de 9 ans dans une classe dans une classe britannique des années 90. Kai Blin. Siblin. Oh no. Okay. Voyons. Qu'est-ce qui se passe avec les bugs? C'est-tu mon PS ou... Move. Uploading. Donc, on a à jouer à notre jeu pour libérer Arturo. Et après ça, on doit jouer à notre jeu et aussi faire des distractions dans la vraie vie. Grâce à notre petite paille et des bouts de papier mâché. Pcu! Qu'on garoche comme ça. Pcu! Ah, un pigeon. Oh. Je me sens aller. Ouais. Audio. Video kill the audio star. The good dans the audio. L'audio, c'est un truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait que on entend comme des enregistrements. J'ai vraiment l'impression que ça a été enregistré dans une vraie classe de vrais élèves. Parce qu'il y a beaucoup de voix de petits enfants qui font plein de choses. C'est vraiment le fun. Ce petit trame sonore-là, je trouvais vraiment le fun. Les bruits aussi du jeu, les bruits du menu sont très cool. La musique est vraiment fun, du bon synth-pop, retro-wave synth-pop. Le mauvais de l'audio, le mixing sonore est vraiment... C'est beaucoup... Tout est comme trop fort.
La musique ambiante est beaucoup trop forte, les cues audio de la professeure sont beaucoup trop forts. C'est comme ça, c'est très mal mixé. Enough for this. Blooming lights. Always been a pile of rubbish. Telling administration about this. Pay attention. Puis il n'y a pas très peu de variété aussi. On revient souvent au même son qu'on entend la professeure dire « Watch out! Pay attention! » Évidemment, tu sais, oui, ça peut faire ça. On peut justifier ça avec « Ah oh, oui, c'est comme dans la vraie vie, tu te fais dire ça 1500 fois quand t'es un kid, oui, mais là, c'est pas la vraie vie, c'est un jeu, j'ai envie de variété. » Video killed the video star in my mind and in my dreams. Vidéo, ce qu'il y a de bien dans la vidéo, le 2D, 3D est le fun, dans le sens que tu sais, c'est comme des plaquettes de papier à différents étages. Donc, ben, tu sais, on sent que c'est un 3D avec des trucs en 2D, c'est bien. Tu sais, c'est bien de voir ça en VR, mais c'est pas la mort. Donc les séquences sont intéressantes parce que c'est bien, tu sais, la petite note est vraiment intéressante, est vraiment bien, elle répond bien. Le point de vue est intéressant, le point de vue d'être une petite fille écolière, c'est le fun, ça fait changement. Oui, l'ouverture est vraiment cool. Vraiment nice. J'aime ça, des intros comme ça. Puis c'est très le fun avec le casque. On a vraiment un sentiment d'immersion vraiment fort. Une affaire qui est vraiment cool, le layering de réalité. Tu sais, comme des fois, tu pognes le « What happened? How was life in the past? » ou « How will be life in the future? » où on a comme un casque où tout le monde a un casque virtuel, puis tu joues une nouvelle console, puis là, tu as comme ta console que tu joues, que tu peux voir à travers la console. Tu sais, c'est le fun de voir les couches de réalité dans ce jeu-là. C'est vraiment intéressant. Je joue beaucoup avec ça. Ça va bien, moi, je trouve, avec la grosse machine comme ça. Puis sinon, le bad, oh my god, les visages humains. Ouais. Le tombé déjà. Vraiment là, les yeux qui cross-side. Aussi quand la madame elle se fait posséder par le petit bonhomme qui nous aide, là, elle est vraiment comme démoniaque. Tu sais, c'est avec des trucs noirs qui sortent de la face. C'est vraiment. Il y a des choses qui sont vraiment du Nightmare Fuel, quand je pense pas que c'est le but de ce jeu-là. Le point of view est le fun, mais tu sais, c'est un peu bizarre. On est vraiment petit comparé aux gens. Quand on tourne la tête, on voit vraiment bien à l'intérieur du corps. T'sais, le tracking est pas tout là. Pas trop hot. Le gameplay. Donc, ce qu'il y a de bien dans le gameplay. Bon, le switching de réalité. Les boss sont comme intégrés. Comme chaque fin de level est comme intégré dans la réalité, dans le sens que
Le premier tableau, tu fais du jumping normal, et à la fin, tu vois ton vrai bonhomme dans la classe dans laquelle tu es. Tu vois ton vrai bonhomme dans la classe dans laquelle tu es qui est sur les murs, et là, faut que tu contrôles le bonhomme dans la réalité. Je comprends pas. Yep! Ok. Oh. Oh. I get it now. Mais ça me fait de la peine de faire du mal à John Cleese. Hop, hop. Hey yo! Donc c'est un peu toujours le même pattern qui se répète. Des tableaux sur le handheld device. Le boss dans la réalité mergé. Intéressant. Oui, c'est le fun. C'est une bonne application de la VR. Cependant, c'est comme... C'est une belle application, mais c'est pas l'affaire qui me dit nécessairement j'ai envie d'y retourner nécessairement. Mais c'est dans le bien quand même. L'ambiance visuelle avec toutes les cues, tu sais, toutes les références de culture populaire sont toutes super le fun. C'est sûr que c'est très très britannique. J'ai reconnu des choses comme le professeur John Cleese dans Monty Python et pas mal le directeur de l'école. Tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de références que j'ai pas compris parce que je suis pas britannique. Mais c'était le fun de voir qu'il y avait ça, qu'il y avait beaucoup de choses à regarder dans ce sens-là pour le monde qui cherche des affaires autres à regarder que le jeu principal. Dans le moins bon du game du vidéo, dans du gameplay, pardon, ben justement le layering des fois est un peu superflu. Là, comme, bon, c'est le fun de nous montrer cette mécanique-là, mais. C'est le fun de nous montrer cette mécanique-là, mais ça avance pas tout le temps le gameplay. Ni l'histoire. Le jeu dans le petit jeu est vraiment difficile. C'est comme. Assez difficile que. Faut tout le temps que tu fasses les mêmes 3-4 répétitions. Puis à un moment donné, ça met un peu lassant de toujours se lever la tête pour bon, pitcher le truc sur la. Sur les ballons pour que ça tombe, pour que la prof sorte, pour que tu continues à jouer, parce que tu sais que t'as peut-être 30 secondes que tu peux jouer, parce que tu sais, la madame va venir t'engueuler sinon. Paka! Répétitif assez vite, donc ça c'est pas le best. Sinon, ben écoute, The Good, les couches de réalité dans ce jeu-là, c'est le fun de jouer avec un jeu qui a plusieurs couches de réalité. The Bad, répétitif, le mixage audio est vraiment pas trop hot. On ne peut pas skipper les scènes, ça fait chier. Menu, le menu est vraiment le fun parce que tu sors un power glove, mais il est vraiment pas très bien. Il y a plein d'options que tu peux pas avoir, pas de sous-titres, tu peux pas baisser la musique, tu peux baisser tout le son, mais pas juste la musique. Il y a plein de petites affaires qui sont vraiment ordinaires. Verdict, combien ça vaut? Moi, je pense que ça vaut peut-être un 10$ maximum. Évidemment, c'est le fun à jouer, mais c'est le genre de jeu que tu joues une fois ou deux, puis après ça, tu ne rejoues plus jamais. Donc... Merci d'écouter beaucoup mes... Merci beaucoup d'écouter mes affaires. Si je vous ai fait rire au moins une fois, like et puis partage. Puis on se revoit à la prochaine. Bye!
Ah, puis je peux pas jumper down, évidemment. Mais qu'est-ce que... Ah!